Les mêmes récits bibliques, les mêmes discours, les mêmes poèmes. Aujourd'hui, les juifs et les chrétiens ne les lisent pas de la même façon. Bien sûr, tout le monde cherche à y entendre la parole de Dieu, cette parole créatrice qui peut nous guider dans la vie. Pour les juifs, les Écritures déploient donc l'enseignement divin, la loi la loi qui règle les rapports entre les êtres humains entre eux et avec Dieu. Alors que pour les chrétiens, les écritures de l'Ancien Testament, de ce que nous nous appelons l'Ancien Testament, cheminent et progressent vers l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc les deux traditions, tradition juive et tradition chrétienne, se séparent sur ces principes de base. Le Talmud. Donc, ce, ce gros livre de commentaires euh, recueille des traditions d'interprétation ancienne et cherche toujours à les actualiser. Le Nouveau Testament, lui, euh, relance la lecture à partir du mystère de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une première actualisation des Écritures qui est Jésus de Christ. On est là un tournant absolue de l'histoire des relations entre Dieu et les êtres humains. Et puis ensuite, le Nouveau Testament, là encore, il est lu et il est relu aujourd'hui pour faire le lien entre notre foi et la vie. Je ne vais pas parler ici des lettres de Paul, je voudrais parler de... Euh... La polyphonie, la richesse des écritures évangéliques. Je dis polyphonie parce que dans chaque récit de l'évangile, on peut entendre comme quatre voix. Un récit évangélique, c'est pas simplement l'histoire de Jésus. Bien entendu, il y a l'histoire de Jésus, c'est-à-dire c'est la ligne principale. La ligne principale, ça raconte donc l'histoire de Jésus de Nazareth, euh, avec sa naissance, avec l'importance de Marie, l'importance de Joseph, euh, l'importance euh, également de euh, l'héritage juif, ça c'est Zacharie, Élisabeth, c'est le songe de Joseph, etc. Et puis également sa prédication du règne du Dieu. Alors vous avez la grande coupure euh, qui sont les années à Nazareth, dont on ne sait rien et puis vous avez ensuite la prédication du règne de Dieu donc euh, avec la façon dont Jésus va euh, appeler des gens à le suivre la façon dont il va euh, montrer que Dieu aime les êtres humains ce sont les récits de miracles ce sont les paraboles ce sont également les discussions avec euh, les gens les plus religieux de son époque ce sont les pharisiens et puis il y a euh, ce culmen ce summum qui est la trahison, le procès Gethsemane, la crucifixion, et, et cette crucifixion dans cette confiance absolue en dieu son père, qui fait que sur la croix, père, entre les mains, je remets mon esprit, selon saint luc, ou mon dieu, mon dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? ce sont les finalement deux faces du même mystère. et vous avez, à la croix, avec le dernier christ, c'est en même temps j'allais dire, je vais vite, c'est en même temps l'ouverture du tombeau, et l'ouverture du tombeau, c'est l'ouverture du salut de dieu à l'universel polyphonie évangélique on a donc d'une part un récit que l'on peut appeler historique mais vous avez également une deuxième voix qui est en sourdine cette deuxième voix c'est la voix de l'église car le récit historique sur la vie de jésus qui se révèle fils de dieu eh bien, il a été pris en charge par des communautés qui ont longuement médité justement ce mystère, et on voit bien quand on lit l'évangile de Matthieu que on n'a pas tout à fait le même angle de vue que l'évangile de Luc. Par exemple, l'évangile de Matthieu euh, a été écrit par quelqu'un qui connaît admirablement la tradition juive. Alors que l'évangile de Luc connaît un peu moins les traditions juives et, mais est plus centré sur les rapports sociaux, en particulier ceux des hommes et des femmes, des riches et des pauvres. Voilà. On entend donc une deuxième voix en sourdine. On raconte Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu sauveur du monde. L'un avec une perspective plutôt juive, l'autre avec une perspective plutôt grecque. Je pourrais également parler de Marc et de Matthieu, mais ça suffit. La euh, troisième voie, c'est la voie de la résurrection ou la voie pascale. Car toutes les tous les récits évangéliques sont immergés dans ce qui est quand même la conviction. De foi profonde et première des chrétiens, c'est que la mort est vaincue et que en Jésus de Nazareth, la vie de Dieu a fait éruption et s'est glissée dans la vie des êtres humains. Et on va raconter ce qui pourrait être simplement, simplement, vous allez dire une guérison de, 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 de quelqu'un. On va raconter avec un, un vocabulaire qui est un, un vocabulaire résurrectionnel. Je vais prendre un petit exemple, que ce soit d'ailleurs à la fois chez Marc euh, ou chez Matthieu ou chez Luc. Quand Jésus guérit euh, la belle-mère de Simon-Pierre, eh bien, il la fait se lever. Et ce verbe-là, se lever, vous avez toute une dimension de ⁇ la vie de Dieu fait irruption ⁇ Transfiguration est un autre grand texte avec la, 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 la blancheur qui, qui, qui illumine euh, Dieu. Donc, trois voix la voix historique sur Jésus Nazareth, la voix pascale qui montre que Jésus Nazareth est le Christ de Dieu et l'irruption de la vie de Dieu dans le monde des hommes. Vous avez également la voix de l'Église en sourdine, voilà trois voix. Et vous avez la quatrième voix que j'appellerai la voix de l'Alliance. Le langage des apôtres et des premiers chrétiens est façonné par celui des Écritures. Et à l'époque, ce qu'on appelle les Écritures, n'est pas encore le Nouveau Testament. Au moment où s'écrivent les Évangiles, on n'appelle pas les Évangiles Nouveau Testament. Ça, ça va être un nom qui va être donné simplement au deuxième siècle de notre ère. Par contre, eh bien, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans l'Écriture évangélique, on fait des références à l'Écriture. Alors. Vous avez Moïse, la loi, vous savez, il y a beaucoup de questions de la loi, vous avez des discussions, ça vient en premier chef. Vous avez également le prophète Isaïe, le prophète Isaïe est certainement le plus nommé avec les psaumes, le, 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 le plus nommé de, de, de tous les prophètes. Vous avez donc des citations, des citations parfois explicites, on dit... Ainsi s'accomplit l'écriture qui disait que vous avez parfois tout simplement des allusions. Et cela nous dit la conviction des premiers chrétiens c'est que Jésus, il est juif. C'est curieux, hein? vous savez, moi je pense toujours à Louis de Funès parlant à son chauffeur, vous savez, dans, le, dans Rabbi Jacob hein? Salomon, vous êtes juif oh, Je vous garde quand même. Bon, eh bien, oui, Jésus est juif. Il fait partie d'un peuple, il hérite de cet héritage, il est enraciné dans la tradition croyante de son peuple, concernant en particulier l'espérance messianique. Même si Jésus lui-même ne dit jamais qu'il est le Christ, mais il parle plutôt il va chercher une figure qui est présente dans le livre de Daniel, qui est la figure du Fils de l'homme, une figure un peu énigmatique pour parler de lui-même comme si Jésus de Nazareth euh, voulait accomplir le destin du fils de l'homme qui apparaît une ou deux fois dans le livre de Daniel qui est l'envoyé des derniers temps et qui est en train de vaincre le mal euh, présent sur la terre. Donc on a cette conviction des premiers chrétiens, Jésus est enraciné dans la tradition croyante du peuple juif et deuxièmement, eh bien on a une interprétation de cette tradition croyante, c'est que Jésus, il est le Messie espéré par les prophètes attendus, et euh, on va chercher dans, dans tous les livres, on va chercher comment Jésus eh bien, est fils de David. Alors, il ne s'agit pas ici de, de, de questions généalogiques, mais on est bien du côté spirituel, du côté le plus profond qui soit. Oui, bien évidemment, Jésus est fils de David. Il est celui qui euh, va instaurer et qui instaure la royauté de Dieu, la royauté paradoxale sur les êtres humains. Voilà ce que j'appelle la polyphonie évangélique, les quatre voix qui se mêlent et s'emmêlent sur donc la mélodie historique de Jésus de Nazareth pour comprendre, eh bien, euh, qui est Jésus. Jésus, on a les trois autres voies la voie euh, donc de l'Église, la voie pascal, la voie résurrectionnelle et bien entendu la voie de l'Alliance, puisque Jésus est l'accomplissement. Je voudrais maintenant évoquer euh, plus particulièrement euh, ce que je viens de dire la voie de l'Alliance. Quelle est-elle Et elle est finalement relativement euh, subtile. Mais pour bien en parler, puisque je vais parler d'interprétation chrétienne des Écritures, il faudrait que je commence par vous parler des lectures juives, assez brièvement malheureusement, des lectures juives des Écritures pour montrer d'ailleurs que les évangiles, Saint Paul, ils fonctionnent, ils réfléchissent en juif. La lecture juive des Écritures. Pour la tradition juive, les récits, les lois, les poèmes ne se comprennent pas sans une aide orale. Vous avez la tradition juive qui nous dit que sur le mont Sinaï, Moïse a reçu deux lois, deux Torahs, deux enseignements Puisque le mot Torah, plus que loi, euh, signifie donc euh, l'enseignement et la tradition. Vous avez, il a reçu euh, une euh, tradition, un enseignement écrit. C'est ce qu'on va appeler les dix commandements et puis tous les codes de loi qui en découvrent. Mais il a également reçu une instruction orale. C'est-à-dire comment interpréter l'écrit. Et ça, c'est fondamental. On ne se contente pas de l'écrit, il faut en même temps s'insérer dans une tradition de lecture. Alors les chrétiens vont reprendre ça sous un autre terme que nous connaissons bien, qui est l'inspiration. L'Esprit de Dieu, qui a présidé à l'écriture des, é... des textes bibliques, est également celui qui préside à son interprétation et à sa lecture, lecture qui est reprise au fil du temps. Nous avons évoqué dans la composition de l'Ancien Testament comment euh, certains textes ont été repris, comment les livres des Chroniques sont une réécriture des livres des rois, comment eh bien, les textes prophétiques prononcés une fois par Amos au 7e, 8e siècle eh bien, ont été repris au fil des ans pour donner le livre que nous avons aujourd'hui. Alors, cette littérature. Orale, qui est donc une littérature d'interprétation, c'est toujours faite de rabbin à rabbin. Le rabbin est un, est un mot qui vient plutôt autour de l'ère chrétienne, je pourrais dire de maître à disciple. Donc, tradition orale. Et puis, à un moment donné, la tradition juive a estimé nécessaire de mettre cette tradition orale par écrit. Donc, c'est ce qui va nous donner le Talmud, avec donc tous les commentaires. Et vous avez dans la littérature euh, donc du Talmud, vous avez deux grandes, j'allais dire, deux, deux, deux grands chemins, deux grands dynamismes. Vous avez ce qu'on appelle la halakha et ce qu'on appelle la agada. Pardonnez-moi ces termes un peu savants. La halaka ça vient de la racine du verbe qui veut dire marcher. Et la Alaka est la dominante juridique, c'est-à-dire que dans tout texte d'écriture, non seulement les codes de loi, mais également les écrits prophétiques, ou bien les récits sur Abraham ou les récits sur David, mais également dans les Psaumes, eh bien, on tire des éléments qui vont nous permettre de mieux marcher selon l'instruction de Dieu, de mieux marcher selon sa, sa loi, donc pour mieux vivre. Et puis vous avez maintenant la Agada. Agada ça vient de la racine d'un verbe qui veut dire raconter. La Agada ce sont des petites histoires, on pourrait dire des paraboles si vous voulez, que à partir de tel ou tel texte biblique pour mieux le comprendre, on invente une petite histoire et ce sont des histoires édifiantes ce sont des histoires pieuses ce sont des histoires exemplaires mais là encore la fonction de ces petites histoires c'est pour nous permettre de mieux comprendre si vous voulez euh, les prêtres ou les diacres dans les homélies euh, du dimanche en général ils font plutôt de la alaka c'est-à-dire que, à partir des textes bibliques, en jouant d'ailleurs du lien entre la première lecture et l'Évangile et le psaume, ils mettent en valeur telle ou telle conduite pour mieux vivre en chrétien, mieux faire le lien entre la foi et la vie. Il est relativement rare, sauf peut-être avec des enfants, que l'on utilise la agada, c'est-à-dire qu'on se mette à raconter une petite histoire qui est bien sûr une histoire exemplaire, une fable ou une parabole. Donc ces deux grandes parties euh, ces deux grands dynamismes des commentaires euh, des rabbins se retrouvent dans les évangiles. Et je vous donne d'emblée deux exemples. Dans l'évangile de Matthieu, après les béatitudes, vous avez ce qu'on appelle les controverses. On vous a dit, moi je vous dis, on est là dans une discussion d'un point de conduite dans l'alliance, donc dans la relation entre Dieu et soi-même à l'intérieur du peuple. Eh bien, on vous a dit, voilà, il y a une tradition d'interprétation, eh bien, moi je vous dis qu'il y en a une autre, parce que je m'oppose à cette tradition. On connaît bien la dernière, on vous a dit, donc, aimez vos amis et haïssez vos ennemis, eh bien, moi je vous dis... Donc je m'oppose entièrement à cette tradition d'interprétation. D'ailleurs, le haïsser vous ennemis n'est pas dans euh, les écritures à proprement parler, mais le aimer euh, son prochain y est présent. Et moi, je vous dis, aimer même vos ennemis. Donc Jésus euh, s'engouffre, je veux dire, et prend, je veux dire, c'est presque naturel chez lui, et c'est évidemment rapporté par Matthieu qui est lui aussi baigné de tradition juive, Eh bien euh, Jésus s'engouffre dans l'interprétation de type à cas donc pour marcher selon l'instruction de Dieu. Quand, dans l'évangile de Luc, maintenant au chapitre 10, vous avez un docteur de la loi qui dit, euh, voilà, euh, maître, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle Et puis Jésus répond, ben, tu connais les commandements, donc aimez Dieu, aimez ton prochain. Euh. Alors ça, c'est l'homme riche, mais euh, vous avez l'autre qui dit, euh, à un moment donné, euh, oui, mais qui est mon prochain Que fait Jésus au lieu de faire de la halakha, de dire ⁇ Mais enfin, euh, euh, le prochain, il en est présent ⁇ c'est quand même, si tu lis le livre du Levitique, on va te dire que c'est euh, le pauvre, c'est le vieillard, c'est la jeune fille maltraitée. Au, au lieu de dire ça, il va raconter une histoire. Et on la connaît bien, cette histoire, c'est la parabole dite du bon samaritain, c'est une espèce de fable. Et à la fin de son histoire, il va dire... À ton avis, lequel s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits Comment dit Jésus Qu'est-ce qu'il fait sur la question « Qui est mon prochain ?», il répond par une petite histoire. On est ici en pleine Agada. J'allais dire que les évangiles, et pardonnez-moi le raccourci que je vais faire, les évangiles qui racontent la vie de Jésus sont une immense Agada. C'est un récit avec un début, un milieu, une fin, avec des moments de joie, avec des moments de drame. Bien entendu, il y a un aspect historique, mais c'est un aspect historique qui a été mis en scène, mis en forme, pour faire ressortir les grandes arêtes du mystère de l'alliance et du mystère de Dieu. Voilà la tradition juive que l'on retrouve à l'intérieur des écritures chrétiennes. J'ai surtout parlé des évangiles. Un petit point simplement pour Saint Paul, dans une deuxième lettre, la lettre aux Galates, pour faire comprendre la différence entre la foi et la loi, très exactement une certaine manière d'observer l'instruction de Dieu. Il va faire appel à une histoire qui se trouve dans le livre de la Genèse, qui est la différence entre Sarah et Agar. Et il va l'interpréter d'une manière qui nous semble un peu étrange, parce qu'il va faire de Agar et de son fils Ismaël le symbole de la loi, alors que pour nous il semblerait que ce serait plutôt Isaac, mais il va faire de Isaac et de Sarah le symbole de la foi. Donc il va raconter une histoire, il va prendre à l'intérieur du livre de la Genèse cette histoire-là et il va la transformer. Le but, c'est pour nous de mieux faire comprendre ce que c'est que véritablement la foi et qu'il ne peut pas y avoir de loi de conduite sans cette dimension première de la foi en l'amour de Dieu et la foi qui dit qu'il faut marcher même si on ne comprend pas toujours ce que Dieu nous dit. Il y a maintenant, une fois sur ce fond euh, donc de la tradition juive qu'on le retrouve à l'intérieur des, des Écritures chrétiennes, il faut que je vous dise qu'il y a plusieurs rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous, les chrétiens, finalement, depuis le Concile Vatican II, on se rend bien compte que c'est le lien qui existe dans le temps ordinaire entre la première lecture qui est toujours tirée de l'Ancien Testament l'évangile. Vous avez des rapports de continuité, vous avez des rapports de rupture et des rapports d'accomplissement. Rapport de continuité. Les évangiles inscrivent Jésus dans la suite des prophètes et des justes persécutés. Par exemple, il y a un dimanche, je crois que c'est le 29e dimanche du temps ordinaire, dans lequel il est question du serviteur de Dieu qui offre sa souffrance. Et puis, dans l'Évangile, il va être question de Jacques et Jean qui disent, ben voilà, on voudrait être l'un premier ministre et l'autre ministre de l'Intérieur, à hein, droite et à gauche. Et je leur dis, mes pauvres enfants, est-ce que vous êtes capables de servir eh bien voilà, on a toute une réflexion sur le service par ce lien qui est fait entre l'Ancien Testament, la première lecture et l'Évangile. Et cette dimension du service, elle se réalise donc en termes de continuité. On peut dire que Jésus est dans la continuité de l'Ancien Testament, lorsque dans le récit des tentations, eh bien il dit au tentateur euh, qui lui dit bah, « vas-y, change donc euh, euh, les pierres, tu as faim, change donc les, les pierres en pain », il dit « non, non, euh, car il est dit, euh, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », et ça c'est dans les Écritures. Il est donc, il se montre ici, le véritable fils d'Israël Enfin, un véritable fils d'Israël, il n'est pas le seul à avoir ainsi agi, à se dire Tiens, quand j'ai une grande décision à prendre, eh bien, où est-ce que je vais chercher Mais je vais chercher, bien entendu, dans les Écritures qui sont la mise par écrit de la Parole de Dieu, de ce qu'il faut faire pour se conduire à la K. Rapport de continuité. Jésus est le nouveau Moïse. On peut dire également qu'il est le serviteur de Dieu, mais ça, on est plutôt de l'ordre de l'accomplissement gentil. -ci. Vous avez également un rapport de rupture. Car, bien évidemment, et cela va scandaliser ceux et celles qui ont une vision un peu étroite de la conduite croyante, il va se distinguer en ne respectant pas les ablutions. Vous avez ça une fois dans l'évangile de Luc. Vous avez. Alors, ça, c'est des ablutions, mais je veux dire autre chose. Dans l'évangile de Luc, vous avez Jésus, il est chez Simon le pharisien. Et vous savez qu'il y a une femme, on dit qu'elle est pécheresse. Alors on ne sait pas de quoi et juste son péché. Alors évidemment, nous un peu obnubilés, on pense toujours que c'est une prostituée, mais c'est absolument pas dit. Donc c'était peut-être tout simplement la femme du corroyeur parce que le corroyeur devait hélas manipuler la peau morte des animaux, donc ça le rendait quelque part impur. Quel que soit son péché, à la limite, peu importe. C'est pas ça l'important. C'est que le pharisien, euh, bien, va se scandaliser. Comment, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et vous savez bien que Jésus, à ce moment-là, va raconter quoi? Il va raconter une petite parabole. Tiens, Agada. Et puis, il va revenir à la situation présente. Tu vois, cette femme, quand je suis rentré, tu ne m'as pas donné les gestes habituels de politesse pour les ablutions. Mais elle, elle a mouillé euh, mes pieds avec ses larmes, etc., etc. Donc rapport de rupture, rapport de rupture en même temps quand Jésus déclare tous les aliments, tous les aliments purs. Donc anticipant ici sur l'entrée des non-juifs à l'intérieur du peuple de Dieu qui va être déployé dans le livre des actes des apôtres avec la rencontre entre Pierre et le centurion Corneille. Donc Jésus déclare pur tous les aliments à un moment donné euh, au chapitre 7. Donc c'est parce que ce qui rentre en l'être humain qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'être humain. Donc euh, convoitise, jalousie, etc. Donc il, il va loin. Il a euh, la rupture. Elle n'est pas tant vis-à-vis -vis des Écritures que vis-à-vis d'une certaine interprétation euh, des Écritures. Et enfin, euh, avec cette fracture, vous avez la ligne évidemment qui est pour nous la plus importante qui est celle de l'accomplissement des prophètes divines. Vous avez un certain nombre alors faute de mieux j'emploie le terme de figure, c'est-à-dire que vous avez des personnages sur lesquels on ne met pas forcément de visage. Vous avez l'Emmanuel. Vous avez le Messie, vous avez le fils de l'homme, vous avez le serviteur de Dieu. Donc voyez bien que euh, on ne peut pas dire que le serviteur de Dieu c'est David. Euh, on ne peut pas dire que l'Immanuel c'est le roi Ézéchias, ça pro pas parler. ce sont des, des figures qui échappent à l'historicité d'une personne particulière donc j'allais dire ces figures- là, ces noms là et qui disent quelque chose de la grandeur d'un croyant sont comme en attente comme en suspense et les premiers chrétiens vont se dire mais Dieu avec nous. C'est Jésus. Jésus s'est montré Dieu avec nous. Et l'évangile de Matthieu va le dire d'une part au début de l'évangile. C'est le songe de Joseph. Donc, vous savez, quand Joseph, eh bien, Joseph, d'ailleurs, en l'occurrence, petite parenthèse, Joseph, il va rompre. Avec les, la tradition juive, puisque selon la tradition, il devrait euh, euh, lapider la, sa femme. Ah ben oui, parce qu'elle est adultère. Ou il pense qu'elle est adultère. Il ne le fait pas, il veut la renvoyer en secret. Je ne sais pas très exactement ce que ça veut dire, mais ça, en l'occurrence, euh, Joseph ici prend un risque parce qu'en en fait, il s'oppose à une interprétation étroite euh, de euh, l'instruction de, de la loi euh, pour mettre en valeur la miséricorde. Dans le songe de Joseph, vous avez bien, n'hésite ben, pas à prendre chez toi Marie, euh, donc ton épouse, car euh, l'enfant euh, qui va naître sera appelé Emmanuel. Sera appelé Emmanuel. Ce n'est pas dit que tu l'appelleras Emmanuel, C'est pas dit que elle l'appellera Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Qui est ce on il faut aller jusqu'à la fin de l'évangile, chapitre 28, les derniers mots de l'évangile de Matthieu. Donc, c'est la rencontre de Jésus ressuscité avec ses apôtres sur une montagne inconnue de Galilée, dans laquelle ils envoient baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur apprenez -les à garder les commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la réalisation de l'Immanuel. Dieu avec nous, désormais Jésus ressuscité, et bien Dieu avec nous. Ça, c'est pour les meneurs, le serviteur souffrant. La grande figure du chapitre 53 du livre d'Isaïe, celui qui par le sacrifice de réparation va réparer la fracture, la cassure que nous, parfois les humains, nous mettons dans la relation d'alliance entre Dieu et nous. Jésus, par le don de lui-même, par le don de sa vie, va et c'est comme ça qu'on peut interpréter la crucifixion, va donc faire de sa vie une offrande, et une offrande qui répare la faute donc que nous, pécheurs, avons instaurée entre Dieu et nous. Je pourrais reprendre ainsi toutes les grandes figures. Je viens de parler de l'Immanuel, je viens de parler du serviteur souffrant, je pourrais parler évidemment du Fils de l'homme qui nous vient donc du livre de Daniel, je pourrais parler évidemment du Christ Messie, car Christ ce n'est ni plus ni moins que la traduction grecque du Machiavre hébreu, le Messie, donc le... Celui qui est consacré comme le prophète était consacré comme le roi David a été consacré. On connaît bien donc la façon dont Samuel va verser de l'huile. Jean, Nathanaël, dont on dit qu'il est sous le figuier. Une manière sans doute de dire que c'est un homme versé dans l'interprétation des Écritures, c'est un, un, un étudiant ou un intellectuel. Et Jésus va le, le dire en le voyant, ben en cet homme, il n'y a, euh, a, a, a il y a du bon, il y a du juste, voilà, un, un véritable fils d'Israël. Véritable fils d'Israël qui a commencé par dire, mais de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon, mon Dieu Qu'est-ce qui peut sortir de bon Puisque Philippe lui a dit, ben, et celui qu'on a trouvé c'est peut-être le christ le consacré de dieu celui qui va rétablir le royaume de justice et de paix et effectivement danaël va faire partie de ceux qui vont suivre le christ mais comme d'autres à part le disciple bien-aimé ils vont néanmoins l'abandonner au pied de la croix voilà donc les divers rapports entre le Premier Testament, les Écritures et donc les Évangiles en particulier, donc euh, tout ce qui concerne Jésus. Rapport, et je le rappelle, rapport de continuité, rapport de rupture, rapport d'accomplissement. Je voudrais terminer, si vous le voulez bien, sur ce que je viens d'appeler l'accomplissement. Pour terminer, je voudrais réfléchir avec vous un peu plus que je n'ai fait jusqu'à présent sur ce qu'on appelle l'accomplissement des Écritures. Et permettez-moi de lire le début du chapitre 4 de l'évangile de Luc. À partir du verset 16. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer. Une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui! Aujourd'hui! Le mot aujourd'hui est extrêmement important dans l'évangile de Luc. Et vous le trouvez à des moments phares. Vous le trouvez ici. Vous le trouvez trois autres fois. Vous le trouvez au moment où Jésus est présenté au temple par ses parents. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. C'est le vieillard Siméon. Maintenant, aujourd'hui. Donc euh, voilà, l'espérance d'Israël vient de voir la réalisation de l'espérance dans un petit bébé parmi des milliers d'autres. Deuxième fois, c'est ici, dans la synagogue de Nazareth. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Troisième, aujourd'hui, c'est quand Jésus va aller chez Zachée. Aujourd'hui, il me faut descendre dans ta maison. Donc le salut de Dieu va aller chez un homme qui est considéré par euh, tous les autres comme un pécheur. Et enfin, dernière fois, c'est sur la croix avec celui qu'on appelle le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'aujourd'hui de Dieu, réalisé en Jésus de Nazareth. Et à Nazareth, il dit donc, aujourd'hui, cette écriture s'accomplit. L'accomplissement des écritures est donc lié à l'aujourd'hui du salut de Dieu en Jésus-Christ. Accomplir ne signifie pas simplement Réalisé, mais parfait. Si c'était simplement réalisé, on serait peut-être dans l'ordre d'un rapport de continuité entre l'espérance d'Israël portée par les Écritures et euh, Jésus qui la réalise. Non. Mais accomplir, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre réalisation que celle mise en œuvre. Par Jésus, à la fois dans sa naissance, dans sa prédication du règne de Dieu, et bien évidemment dans sa mort et dans la résurrection, donc dans la nuit de Pâques. Pour les premiers chrétiens, Jésus porte les Écritures à leur achèvement. Et de ce point de vue-là, pour les chrétiens, et cela justifie peut-être que dans la plupart des bibles, des bibles, euh, c'est ce la catégorie des prophètes qui soit mis en dernier, juste avant justement la lecture des évangiles. Eh bien, pour les chrétiens, toutes les écritures, y compris le Pentateuque, y compris les livres de sagesse ou les livres historiques, sont en attente d'accomplissement. Elles sont prophétiques. Non seulement Isaïe est prophétique, celui que l'on vient d'entendre ici, mais également l'histoire de David, l'histoire d'Abraham, le cantique des cantiques ou tous les psaumes. C'est comme si jusqu'alors les mots des Écritures étaient comme en attente, provisoirement suspendus avant d'effectuer leur tâche. Souvenez vous du prophète Isaïe, qui, parlant de la parole de Dieu, dit Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Jésus de Nazareth n'est il pas la parole de Dieu? La parole il n'y en a pas d'autre et c'est pas seulement une parole j'allais dire verbale, c'est une parole par son corps, par sa chair, par sa vie, par sa mort. Dieu parle Dieu promet il promet une descendance à Abraham, il promet une terre au peuple d'Israël et les écritures juives en particulier la Torah. Donc l'instruction, l'enseignement racontent ce long chemin d'accomplissement des promesses. Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel discernent dans l'histoire d'Israël, des événements et donc des personnages qu'il charge de l'espérance. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a donc l'Emmanuel, le serviteur souffrant, mais il y aura également ce qu'on appelle l'alliance, la nouvelle alliance, portée par Jérémie et exaltée, je vais y revenir dans un instant, la nouvelle création, le nouvel Exode, l'Évangile, la bonne nouvelle, un mot qui est très présent chez le prophète Isaïe, qui est évidemment porté à son achèvement, par Jésus le Christ. Par mission de son Père, le Dieu du ciel et de la terre, Jésus porte à leur achèvement et donne corps et chair à ses paroles et à ses promesses. Le passé éclaire le présent qui illumine le futur. La résurrection de Jésus inaugure les derniers temps et nous attendons son retour dans la gloire, comme nous le chantons dans la prière eucharistique. Eh bien, justement, je voudrais terminer par l'évocation de ce qui est le cœur de la vie chrétienne, là où justement notre vie quotidienne se ressource et nous est redonnée. Les chrétiens ont repris et développé le thème de l'alliance et le dernier repas de Jésus est raconté comme une reprise ultime, achevée de l'alliance dans sa double forme. Il se déroule selon le rituel d'un repas juif avec un certain nombre de coupes. Vous savez que dans l'évangile de Luc, il est question de deux coupes. Il n'y en a pas qu'une seule, simplement. On a ici le vestige, sans doute, de la façon dont la communauté de Luc. Communauté dont Luc est issu célébrait ce que nous nous appelons l'Eucharistie dans les Évangiles de Matthieu et Luc alors il n'y a plus qu'une seule coupe et Jésus prononce sur la coupe qui est le vin joyeux des derniers temps c'est d'abord ça la coupe on dit un, un très beau mot la coupe eschatologique sur le vin joyeux des derniers temps Jésus dit ceci ceci est mon sang le sang de l'Alliance versé pour la multitude. C'est présent donc chez Marc et chez Matthieu. On a là un écho de la conclusion sacrificielle qui suit la lecture du livre de l'Alliance, au chapitre 24 du livre de l'Exode. C'est au pied du mont Sinaï. Mais de leur côté, les récits de Luc et le récit transmis par Paul dans la première lettre aux Corinthiens, n'évoquent pas le sang de l'alliance ni euh, la liturgie sacrificielle du mont Sénéi. Par contre, ils font allusion à la nouvelle alliance, celle qui est portée par le prophète Jérémie et d'une autre manière par les prophètes Osée ou Isaïe. Et on a ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. On a donc ici la référence explicite à Jérémie, donc l'achèvement, j'allais dire le parachèvement de la première alliance. Marc et Matthieu mettent donc l'accent sur j'allais dire ils regardent plutôt vers le passé. On a ici la figure de Moïse, la figure de la sortie d'Égypte, on a une sorte d'achèvement de la première alliance alors que Luc et Matthieu Peut-être bien qu'ils insistent sur euh, le début et le commencement de la nouvelle alliance. Autrement dit, l'accomplissement, ce n'est pas un point final. C'est un point de suspension ou un point d'exclamation. Il y a une suite, et la suite, c'est la présence de l'Emmanuel de Dieu au milieu de nous. Pour tous, pour Marc, Matthieu, pour Luc et Paul. Jésus scelle définitivement dans sa vie et sa mort, de manière totale et définitive, le renouveau, la rencontre, le dialogue, l'engagement de Dieu pour les humains. Voilà ce que l'on peut dire d'une lecture chrétienne des écritures qui sont à la fois les écritures héritage du peuple juif, et héritage du peuple chrétien qui, en ses commencements, est juif comme Jésus.